Lors de son discours à la 78e session aux Nations Unies, l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a demandé avec fermeté le départ de la MONUSCO de son pays. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'est pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. La demande du président Félix Tshisekedi Tshilombo s'inscrit dans la volonté de ce dernier de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. La MONUSCO est souvent accusée par la population locale de soutenir les groupes rebelles dans la partie est de la RDC, riche en ressources naturelles. Cette organisation onusienne est présent dans le pays depuis plus de 20 ans et depuis lors, le pays n'a connu aucune stabilité. Trop souvent, ces organismes occidentaux sont des outils d'espionnage et des facteurs de déstabilisation sur le continent africain. Merci de vous abonner et de partager. Vive l'Afrique libre !